télévisé et en ligne. Matin, nous présenter devant la presse pour que nous soyons capables de dénoncer le mauvais comportement de la police de guerre sur manifestants, des citoyens engagés, des militants conséquents qui ont fait une manifestation contre l'insécurité, qui ont demandé justice pour les inspecteurs que bandits armés, gangs, touillés, rachés, dépourvus. Nous avons demandé justice pour lui, pour des commissaires qui ont arrêté, touillé, disparaître et avec madame Yotou, pour tous les policiers qui tombent, pour tous les citoyens qui tombent dans Bel Air, dernier massacre qui se fait Cité Soleil, nous avons demandé justice pour nous. Et bien même la police, le police, a rien utilisé pour venir nous battre, venir tirer gaz sur nous, pour nous craser la manifestation, pour nous arriver devant la Kali. Pour nous demander, pour nous démissionner. Grâce à ça, force opposition radicale pour changement, dit Pape Kapé dans le monde, nous avons continué la bataille là, parce que nous connaissons Ariel Pago Mandat. Ariel, c'est un truc qui était installé dans la primature. Ariel n'a pas dans l'élection, Ariel n'a pas rien. Et il y a une nomination qui était faite par un ancien président qui mourit. Et le mandat président ça a fini et échoué. Il parle encore à qui base que Ariel continue à diriger. Ariel n'a pas parlé de l'accord 11 septembre, mais l'accord 11 septembre, ça, il déchire parce qu'un peu de monde sorti la donne, il crase et nous, même force opposition radicale pour changement, dit nous ne pas reconnaître l'accord 11 septembre encore, nous ne pas reconnaître l'accord Montana, nous ne pas reconnaître l'accord Prenon, parce que nous, c'est trois accords qui mettent ensemble, ils ont gagné 1 milliard de gouttes dans le milieu, puis ils ont gagoté. Dormir dans l'hôtel, manger, boire dans l'hôtel, puis gaspiller l'argent peuple là, tandis que après un sérieux. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous voulons demander de démission Ariel pour Ariel quitter l'état primature, pour que nous entrions dans un vrai dialogue franc, une transition de rupture qui va poser les vrais problèmes de la nation. Problème santé, problème économique, problème production nationale et la trier, qui fait que je dis, il y a même problème diplomatie à tout nous comprendre. Parce que même pour les peuples haïtiens, quel que soit côté arrivé, dans notre pays aux Antilles, non, même là, c'est domaine, ou humiliation qui apprend, qui a duré, qui donc, nous ne croyons pas que Ariel a résolu le problème du pays d'Haïti. Et dans ce sens, nous, ces peuples-là, mobilisés, lever campé, jouer cap. Jeudi 4 août 2022, 10 heures avant, nous pourrons manifester, sortir sur place Constitution, monter Boudon, arriver devant Ariel pour nous déblayer Ariel, pour nous dire Ariel, il n'y a pas qu'à diriger, il n'y a pas qu'à Maboko, c'est plus de criminalité, c'est plus de sécurité, c'est plus de kidnapping qui a fonctionné dans le pays. La police a tombé par bandit, la police n'a pas fonctionné, et nous voyons que l'implication, la justice, gagner notre trafic d'armes en Haïti. La Bible nous dit la justice élève une nation, mais si pas de justice dans le pays, eh bien c'est chaos total capital. Donc, nous dit que le gouvernement anti-peuple qui est là, qui est en tête, Ariel Henry, il n'est pas qu'à diriger, pas gagner Ariel Henry en fait plus sérieux. Nous demandons pour Ariel la guébiel pour l'aller. Sinon, nous pouvons nous faire même avec personne qui est là pour marcher pour Ariel en dehors. Primature, tout côté qui est lié. Merci beaucoup la police. Merci la police qui est tirée sur nous. Merci la police qui pas comprendre la bataille amenée. Au lieu pour commencer avec nous, nous demandons sécurité dans le pays. Nous, la police a pris des tombées. Où utiliser? Où tendez Ariel Henry? Où tendez ministre de la justice là, qui est impliqué dans les affaires? Trafic illicite, trafic des armes. Où tendez France LB qui n'a pas capable de sécurité à la police là? Nous ne jouons avec qui va les mouns, qui a mouru Belé. Belé, levez campé, Cité Soleil, levez campé. Trop moun mouru, trop sans couler, c'est facile. Nous ne pas camper dans la route. Ariel, allez vous aller. Allô, bralé, Ariel, oh. Allez vous aller, Ariel, oh. Allez vous aller, Ariel, oh. Allez vous aller, Ariel, oh. Allez vous aller. Vous savez, la presse parlait écrit, télévisée et en ligne. Je dis à présent, nous, devant la presse, c'est venu parler de l'insécurité ça, qui continue à monter de jour en jour. Nous venons constater que l'insécurité qui a fait le terrain, Ariel Henry avec Ariel Yo, c'est ce groupe Moon qui campait pour augmenter plus d'âmes en deux pays. Dans le jour qui se passe là, Moon Belay,
Moun Matisse pas de dormi. Avant y a ces gros chablende que gouvernement Ariel Henry a bail. Yo gou bandi kre le G9 pour attaquer Moun Belè. Eh bien, je dis à Moun Belè continue à dormir dans la rue. Moun Belè pas qui côté pour arrêter. Tout avant hier Moun Kwa des bouquets a courir en babal. Je dis à moi ka comprendre que Ariel Henry pas ka résoudre problème de sécurité. Eh bien, population haïtienne n'a demandé Ariel Henry pour quitter tête primatillon. Parce que ça qui a passé là, nous pas qu'à belle. France LB, mini justice là. Alors justice là qui t'a supposé, bah justice qui t'a supposé résoudre le problème de sécurité là. C'est même justice ça, ou t'endré qui dans le trafic ZAM. Eh bien, population haïtienne n'a pas qu'à belle encore. N'a demandé que pour gouvernement ça a crasé plate. Parce que à quoi en septembre là, avec tout le monde qui a lié yo, c'est complot a fait contre moun, Cité Soleil. C'est couple a fait contre moun, quoi des bouquets, Matissan, Cité Soleil. Ou après tu traites quelqu'un c'est quand moun yo. Et bien Ariel Henry pas gagné la fait là. Ariel Henry baiser fait plus de temps dans transition et Ariel Henry gon devoir résoudre insécurité et puis faire élection de pays. Et bien nous on est qui contre Ariel Henry. Je mesure que pour transition faire plus de temps pour couper racher parce que ce sont des petits voleurs vicieux. Alors, qui compte Ariel Henry, 4 jours avancés, puis on fait quoi? Parce qu'on connaît pas qu'à élire dans l'élection. Et bien, on demande à la population haïtienne, jusqu'à 4 d'août 2021, mobilisation pour la déclencher dans tout le pays. Et bien, force, opposition radicale pour le changement, après la RIA, la demande à petits marchands, chauffeurs moto, chauffeurs bus, pour y enlever campé, pour déblayer Ariel Henry avec Ariel Yo. Parce que la population haïtienne n'a pas parlé de ça. Nous même qui sommes dans la Koua, l'idée nous désolidariser. Le réseau qui fait nous désolidariser, c'est par rapport que nous n'avons pas avantage masse défavorisée. Nous n'avons pas avantage Moun Belè, Moun Cité Soleil, Moun Kwa des bouquets. Au lieu de pouvoir quoi pour une solution, et bien c'est tuer petit Moun Yo en de Kwa des bouquets. Et bien nous même nous disons, bataille la lancée. Toute idée politique, ce n'est pas chita, rince pas les bouche de la planche. C'est mettre pied à terre. Et bien lorsque nous avons une idée politique qui ne va pas dire rien, et bien nous disons, Moun Belè, lorsque nous continuons à prendre coup de balle, non mais bon, dit, à l'attaquer quand il est leader politique, à l'attaquer, ne qui te dit, les carottes sont cuites, à l'attaquer, allié Ariel Henry, qui va Ariel Henry, corrompre pour la couper dans le pays. Et bien nous dit, la guerre vertie passée pour Kobe, tout le monde peut prendre la rue, 4 août, pour déblayer, déchouquer tout débris qui est en primature. Merci de nous passer pour la parole et force opposition radicale pour le changement. Là, nous prenons Moïse Jean-Charles, nous Moïse Jean-Charles, c'est un rejet de la société haïtienne. Moïse Jean-Charles, c'est un homme qui vient du socialiste, proche capitaliste, côté que Moïse Jean-Charles, il écrit dans l'idée traditionnelle, il n'est pas capable de faire ça. Moïse Jean-Charles, il échoué. Nous disons Moïse Jean-Charles pour ça que 70 millions de gouttes comme service d'intelligence, il a caché l'Italie juste pour ne pas capable de émerger chaque jour. Là, nous prenons l'Iskitel, par exemple, nous aussi dans le kidnapping, mais c'est moi, Jean-Charles même, qui mettait l'Iskitel dans le intérieur pour porter l'argent par lui, pour qu'on va faire capital politique. Mais dans la population haïtienne, nous commençons à cibler bon leader traditionnel, comme moi, Jean-Charles. Moi, Jean-Charles, voilà. Jean socialiste, poche capitaliste, nous dit comme ça que moi, Jean-Charles, population haïtienne, Moi, je suis allé aux États-Unis. A bien, non, qui c'est assis des os de bonnes clés, Moïse, pas petit de saline, là, dit moi, je suis pas capable, non, non, petit de saline, l'autre est là, je ne suis pas capable, je mettais une latrine devant des salines, moi, je suis pas capable, ça pouvait nous accléter, Moïse, pas capable, de nous faire Moïse, c'est bon, hein. Moi, c'est tout la peine de tout. Moi, je suis à la Moi, je suis Michel, moi, je suis Michel.
Ariel Henry, la guerre Piel, à toutes les idées de l'élection là. Très bien, nous connaissons Ariel Henry, la guerre de sécurité. Nous connaissons Ariel Henry, la guerre de l'élection. Nous connaissons. Mario, 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 Le vendredi 22 juillet, okay? Nous recevons un appel téléphonique à 8h30 du soir pour dire nous que le conseiller de l'ordre, le secrétaire de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, est en difficulté à la DCPJ. Okay? On est allé à la DCPJ à Tercine. D'abord, on n'a pas pu trouver Maître Robinson Pierre-Louis et on nous a dit que c'était au BAF. Le BAF, c'est le bureau qui traite des affaires financières et économiques. Ok? Donc, ça veut dire que c'est ton affaire financière et économique que tu as traité. Là, nous arrivons dans le BAF là, c'était pour nous juste constater que tu es dans l'autre unité qui est venue. Il menottait Maître Robinson Pierre-Louis et le transport. La Lavelle, l'un commissariat de Delma 33. Nous avons suivi Maître Benson Pierre-Louis et c'est à ce moment seulement qu'il nous apprend qu'il est l'avocat du propriétaire du bateau qui a transporté les armes vers Port de Paix et le fameux bateau, le bateau qui s'appelle Tilili. Miss Tilili. Donc, Maître Benson Pierre-Louis nous a confié qu'il a agi en qualité d'avocat du propriétaire du bateau. À ce moment, on a posé quelques questions à M. Robinson Pierre-Louis. On lui a demandé est-ce qu'il avait été appelé, est-ce qu'il y a un mandat décerné contre lui ou non. C'est une invitation. Il a été seul au BAF pour répondre à cette invitation, pour porter certains éclaircissements relativement à ce dossier.
Le conseil n'a pas été averti qu'on avait un quelconque problème avec Robinson Pierre-Louis, mais Robinson Pierre-Louis, et de mettre, d'abord de traiter la question, et ensuite de mettre Robinson Pierre-Louis, ce que normalement nous devons faire, à la disposition, je vais dire, du commissaire du gouvernement, puisque c'est quelque chose de pénal, ce n'est pas une tierce personne qui a porté plainte contre Robinson Pierre-Louis. Alors, à ce moment, nous avons constaté que les règles de droit, les conventions, tous les instruments internationaux n'ont pas été observés relativement à la liberté individuelle, relativement à l'arrestation, parce qu'il a été mis en cellule au commissariat de Delma 33. Donc, on peut dire qu'il a été arrêté et mis en prison. Okay? Donc, les principes, les règles de droit n'ont pas été respectées et nous avons constaté. Face à cette violation, nous avons décidé de faire une action en habeas corpus sur la forme de l'arrestation de Maître Robinson Pierre. Le 27 juillet, on a été au tribunal. Nous avons saisi le doyen par mémoire. Après mettre tergiversation, il a fini par prendre siège. Il a prononcé un avant-dit au droit, constatant l'absence du ministère public et ordonnant au ministère public de se présenter dans 2 heures de temps, soit 3h45. Tout d'abord, je dois faire une petite parenthèse pour vous. La DCPJ, qui a invité M. Robinson Pierre-Louis, il a des fonctions bien déterminées pour la loi. La DCPJ ne peut pas arrêter quelqu'un. La DCPJ travaille en tant qu'auxiliaire de la justice. Il travaille avec le commissaire du gouvernement, il travaille avec le juge instruction. Ce sont ces deux personnalités qui dirigent en quelque sorte l'instruction, l'enquête de la DCPJ. La DCPJ peut arrêter quelqu'un en cas de flagrance, ce que vous pouvez faire aussi. Si vous trouvez quelqu'un en flagrant délit d'un acte grave, commet un flagrant délit de la loi, vous pouvez l'arrêter et l'acheminer à la justice. Donc c'est seulement ça que la DCPJ peut faire et autrement qu'on lui ordonne d'arrêter. Par mandat. Et dans ce cas, il y a d'abord un mandat d'invitation et le juge d'instruction va transformer le mandat d'invitation en mandat de dépôt. Alors à ce moment-là, on met la personne en prison. Tout ceci n'a pas été respecté par la DCPJ. Le conseil n'a pas été averti. Parce que s'il y a un avocat qui a un problème, le conseil peut être saisi d'office ou encore le commissaire du gouvernement l'avertit. Et lui, il traite le dossier et après, il remet l'avocat au commissaire du gouvernement. Ceci n'a pas été fait non plus. Donc, vous admettez avec moi, il y a tellement de dispositions légales qui ont été violées. Nous avons décidé, il est temps, puisque nous sommes là, pour faire établir un état du droit, de demander au commissaire du gouvernement, à la DCPJ, de respecter les textes de loi. Je retourne à mon habeas corpus. Le doyen, il y avait une suspension d'audience. Au cours de la suspension d'audience, on est venu dire au doyen que le commissaire est en bas. Il y a un commissaire en bas. Il est descendu. Et alors, grand étonnement, on est remonté avec un certificat disant que l'affaire a été transférée pour devant le cabinet d'instruction. Voici ça, c'est l'historique de l'affaire. Le doyen a entendu l'affaire et il a promis, il a ordonné le dépôt des pièces à son délibéré pour rendre son ordonnance. Ce qu'il devait faire séance tenante, il a dit qu'il le fera demain. Il a dit qu'il y avait un autre habeas corpus, qu'il allait entendre l'autre habeas corpus, qu'il avait mis en continuation et il se prononcera demain. Donc c'était lundi, en principe, ce qu'il devait faire lundi, il fera mardi. Ce qu'on a accepté. Mardi, on n'a pas vu le commissaire. Le doyen, on a essayé d'entrer en contact avec lui, pas de réponse. Je crois que le greffier était là, mais le doyen n'était pas là. Et on pourrait dire, on n'a pas vu le doyen. Pourtant, on nous a dit que l'ordonnance est rendue. L'ordonnance est dans la presse. L'ordonnance est dans les journaux.
grande a été notre étonnement parce que nous avons notre entente avec le doyen qui nous appelle quand il a rendu l'ordonnance. Et hier après-midi, il y a un avocat qui m'a appelé pour me dire l'ordonnance est sortie. On a rendu compte de la personne qui est lui. Le doyen a dit qu'il était incompétent et qu'il a déféré le dossier devant le cabinet d'instruction, puisque c'était déjà fait. Donc je vais passer la parole à Maître La Fortune qui a plaidé la meilleure scorpus. Sur les principes, après vous pouvez avoir les questions, sur les principes. Parce que nous devons éclaircir cette situation et pour le grand public qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe avec cette histoire d'habeas corpus, qui pense que nous sommes contre la loi. Nous ne sommes pas contre la loi. Et nous sommes pour la loi. Et le barreau de Port-au-Prince et 18 juridictions d'Haïti ont toujours prôné un état de droit dans le pays. Donc je passe la parole à